1 million d'euros en 30 jours de chiffre d'affaires encaissé. Est-ce que c'est possible? Oui, non, on ne sait pas. On verra dans cette vidéo pourquoi, parce que c'est la question à laquelle je vais répondre dans ce nouveau vlog question de Cyril. Partage-nous ton plan d'action en 30 jours si tu devais atteindre le Tout Comma Club, qui est ce fameux trophée justement que l'on reçoit lorsque l'on arrive à générer 1 million de dollars encaissés en moins d'un an sur un seul funnel avec une seule offre de la part de ClickFunnel, le logiciel justement de tunnel de vente de Russell Brunson. On a la chance d'en avoir reçu plusieurs au travers de nos propres sociétés ou certains clients que l'on a accompagnés ces dernières années. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous expliquer quel serait le plan que je mettrais en place pour l'atteindre de la manière la plus simple et rapide possible. 30 jours, je ne sais pas. Je suis ici toujours en Estonie, justement, à Tallinn. Je vous montre un petit peu ma chambre d'hôtel. Bon, là, c'est un petit peu le souk. Une salle de bain plutôt sympa juste ici. Et surtout également une vue fort sympathique. Ça fait une semaine à peu près qu'on est ici pour différents rendez-vous et différentes choses. Donc dans tous les cas, en tout cas, c'est cool. Je pense que d'ici 2 jours, je vais rentrer. Ensuite, on va rester quelques jours en Suisse. Ensuite, je dois normalement aller en Croatie pour speaker au congrès des infopreneurs. Puis ensuite, je dois retourner à Londres. Donc on verra tout ça. Bref, on n'est pas là pour ça. Aujourd'hui, on est lundi. On est lundi, sauf erreur. Le 27, je vais confirmer ça, le 28 septembre, on était le 27 hier donc. Et ce matin, du coup, ça a démarré avec un rendez-vous physique au petit déjeuner avec 2 entrepreneurs. Également derrière, à 8h, réunion de Prudentia Immobilier comme chaque semaine. 9h, réunion du cabinet des indépendants. Ensuite, avant 10h, un rapide appel également avec l'un de nos commerciales. 10h, un coaching. 11h, un rendez-vous, 11h c'était l'heure de manger, vu qu'il y a une heure de décalage, je vous parle en heure française. Du coup, avec Lisa, puis ensuite nous sommes allés dans ce petit parc marcher rapidement. 12h45 directement, un autre call. 13h, un autre rendez-vous coaching. 13h30, encore quelque chose d'autre. 14h, un autre appel avec quelqu'un qui veut absolument qu'on puisse l'accompagner. Bref, ça fait beaucoup de choses et effectivement, on pourrait se dire « Waouh, c'est top, mais ce qu'il faut vraiment, c'est se concentrer uniquement à chaque fois dans les actions à valeur ajoutée pour son business. La journée n'est pas terminée, il est actuellement heure française 14h17, heure locale 16h17 donc. Encore beaucoup de choses à faire et à mettre en place. Et du coup, je vais vous laisser avec ce vlog. Je ne sais pas si j'aurai le temps de tourner des images demain, après-demain, etc. Tant que je suis ici, je bosse énormément et j'en profite du coup pour faire ce que j'ai à faire sur place. Et ensuite, du coup, on se retrouvera en Suisse, ailleurs, etc., etc., etc. Les amis, je dois avoir une sacrée tête là et du coup je suis dans le spa de l'hôtel au niveau de la piscine. Je viens de faire un soin d'environ 1 heure, ça doit peut-être se voir à ma tête, je luis, mais en tout cas c'était vraiment agréable. Et je me posais la question justement, j'avais besoin de me détendre un petit peu, mais j'avais en même temps du travail, du coup là je me suis posé au niveau de la piscine pour travailler sur quelque chose qui nécessitait plus de la créativité que de la réflexion. Et je me disais, mince, je peux pas forcément me permettre de faire une pause, etc. Parce que bah, c'est soit je travaille, soit je me détends. Donc j'étais dans le ouf. Or, on peut très bien être dans le et. Et au final, se reposer dans un cadre plutôt sympa pour quand même prendre du temps pour soi et réussir à être productif. D'autant plus que je suis dans un endroit qui permet d'avoir un spa et des commodités plutôt attrayantes ici. Donc autant en profiter vraiment quand vous êtes en déplacement. Moi en tout cas je le recommande, surtout qu'ici vraiment par exemple on est sur quelque chose de plutôt sympa et c'est comme si j'avais absolument tout privatisé parce que il n'y a personne. donc c'est vraiment top. C'est peut-être l'un des avantages du climat actuel avec cette crise sanitaire. Mais en tout cas, voilà, la leçon à retenir, c'est soyez plutôt dans le « et » plutôt que d'être dans le « ou ». J'ai pendant très 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 longtemps été dans le « ou » et pas forcément dans le « et ». Donc profitez de ce que vous pouvez tant qu'il en est encore temps. Les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je ne sais pas si en regardant là, je vous vois, mais je pense que oui. J'ai envie de vous faire rapidement une story pour quelque chose qu'on vient de m'envoyer, un membre de l'équipe vient de m'envoyer. J'étais en train de préparer le coaching qui a lieu dans 36 minutes avec entrepreneur.com. Tous les mardis 20h30, nous sommes en live les mercredis, les jeudis, etc. On avance et un mardi sur deux, c'est moi qui anime toute la communauté et qui coach. Et du coup, là,
Hop, vous vous souvenez, on avait fait un petit concours Instagram justement avec 100 euros à gagner sur un micro-concours de quelques secondes. Il y avait, sauf erreur, 6 minutes pour pouvoir interagir et gagner ce lot-là. Donc Xavier Kada, tu viens d'être sélectionné. Je t'identifie et contacte-moi par DM. Les amis, j'espère que vous allez bien. Je fais rapidement une petite vidéo. Je suis en train de tourner justement quelques vidéos. Il est 11h28, nous sommes samedi. Très peu de vidéos ont été tournées durant cette semaine pour le vlog, pour la simple et bonne raison que j'étais soit vraiment sous l'eau, soit tout simplement en déplacement. On est rentré jeudi et là, je tournais différentes vidéos. Notamment, j'ai parlé du codex très rapidement, mais aussi de différentes choses. Et cette semaine, du coup, il s'est passé beaucoup de choses, notamment des réunions, des coachings, des rendez-vous, différentes personnes avec lesquelles, eh bien, on va se mettre à travailler. Là, cet après-midi, il y aura un autre sommet virtuel des entrepreneurs. Et j'ai aussi envie de vous partager deux, trois choses au travers de ce vlog, notamment demain. Demain, on aura la visite de l'un des membres du programme incubateur par entrepreneur.com qui passe ce moment, du coup, sur M6 dans l'émission Le meilleur pâtissier. Et il va venir à la maison pour nous amener un gâteau assez surprenant. Vous allez voir, ça va être plutôt chouette. Et également, j'ai un petit constat. Un petit constat, c'est que vous êtes encore plus de 40% à regarder les vidéos de la chaîne et pourtant ne pas être encore abonné. Donc, si ce n'est pas encore fait, cliquez sur le petit bouton « Abonner » et la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Comme ça, au moins, vous ne manquez jamais les prochains contenu. Du coup, on se retrouve soit ce soir après le sommet virtuel des entrepreneurs, soit pendant, soit demain, du coup, pour partager la réponse à cette fameuse question de ce vlog. À tout de suite. Regardez-moi ça, les amis. Non pas la petite poubelle, mais les montagnes commencent à être enneigées. Là, on est clairement sur le paysage typique suisse, avec ce petit rayon de soleil qui vient de se libérer juste là. N'est-ce pas fabuleux, n'est-ce pas merveilleux? Avec un petit zoom pour vous faire plaisir. Un petit like pour ce paysage. Mettez un petit like pour ce paysage, ça fait toujours plaisir. Un peu de calme. Je fais une petite pause dans mon sommet virtuel. T'es trop successful, ma gosse. Les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes maintenant dimanche et du coup, je fais une petite pause dans ma journée pour répondre à cette fameuse question de Cyril Laurent qui nous dit « Ma question à 1 million de dollars, quel est ton plan d'action en 30 jours pour viser le tout commun ?» Club un peu le style de Russell Brunson, du moins l'un de ses livres, Le plan d'action de zéro. Je ne sais pas si j'en ai un ici, j'ai Traffic Secrets notamment ici, les autres sont restés à Londres. Et justement, je vais essayer de répondre de la meilleure façon qui soit à ce commentaire. Mais avant, j'ai juste ici, hop, juste là, je vais vous montrer ça dans un instant. Là, vous le voyez. Une vidéo justement qui a été enregistrée lors de notre workshop à Paris et elle dure 43 minutes, 30 jours, notre plan d'action à appliquer si on repartait de zéro. Je détaille vraiment tout jour par jour, étape par étape, jour 5, etc., jour 6, jour 7, jour 14. Bref, je détaille vraiment tout, étape par étape. Et si on atteint 100 likes, la barre des 100 likes sur cette vidéo, eh bien, je vous mettrai en commentaire épinglé le lien direct de cette vidéo que vous pourrez consulter.
et dont vous pourrez profiter. Elle n'est aujourd'hui accessible que pour ceux qui étaient présents dans cette salle en replay, c'est tout. Et elle n'a jamais été diffusée ailleurs, ni même les slides n'ont été partagés ailleurs, encore moins la stratégie qui repose, sur laquelle elle repose. Donc à 100 likes sur cette vidéo, eh bien je vous partagerai le lien épinglé de celle-ci. Maintenant du coup, pour répondre à la question, si je devrais vraiment simplifier un maximum la chose, la première des choses, c'est que je me construirais sur base de mes acquis, de mes compétences, de mes connaissances et de la niche que j'identifie, eh bien une audience basée bien sûr sur l'avatar que je peux aider avec ces mêmes compétences. Ensuite de ça, dès lors que j'aurai une audience, je créerai une offre absolument irrésistible que je vendrai quand même relativement cher, entre 1000 et 2000 euros, de façon à ce que je puisse générer rapidement du cash flow. Bien sûr, cette offre, il faudrait que je sois relativement profitable avec une marge minimum sans budget publicitaire de 60% minimum. Et ensuite de ça, avec tout le cash flow que j'aurai généré, eh bien naturellement, je mettrai en place une stratégie marketing d'acquisition, de rétention, de conversion et d'évangélisation de cette audience de façon à pouvoir la convertir et scaler grâce au trafic payant de la manière la plus rapide possible. Bien évidemment, je mettrai très rapidement en place tout ce qui concerne l'automatisation, la délégation et je ferai en sorte très simplement d'être le leader incontestable sur mon marché. En somme, pour celles et ceux qui nous suivent depuis un certain temps, je ferai exactement la même chose que l'on a fait lorsque l'on a lancé en septembre 2018 leconsultant.fr. Étape par étape, nous avons avancé progressivement sur base de nos acquis, sur base de nos résultats, pour faire en sorte d'élever les standards du marché. Au final, effectivement, on pourrait dire que bon nombre d'acteurs aujourd'hui nous copient, mais en réalité non. Ils s'adaptent simplement à des standards très élevés du marché qu'on a su imposer. Et vice versa, certains imposent d'autres standards dans d'autres sphères également du business, bien entendu. Donc c'est très important de le comprendre et de mettre en place ce type de stratégie. Donc en soi, si on prend une vision beaucoup plus large de la chose, c'est répondre à un besoin, disposer d'une audience, mettre en place une offre très profitable et réussir à la scaler grâce à du trafic payant. La chance que j'ai ici dans cette question pour pouvoir y répondre, c'est que Cyril nous demande de viser le tout commun en 30 jours et non de l'atteindre. Parce qu'effectivement, l'atteindre en 30 jours, on pourrait. Certains acteurs ont mis en place des choses et ont fait des performances, voire même nous, dans certains accompagnements, on a eu des performances effectivement à plus d'un million de chiffre d'affaires générés au final en 30 jours. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a eu en amont peut-être chez certaines personnes des années, voire des dizaines d'années de travail et ce sont dans des industries qui ne reposent pas uniquement sur du digital. Et ça, c'est important de le prendre en compte. Voilà globalement ce qu'il en est pour cette réponse et vous savez ce qu'il vous reste à faire juste en dessous avec un like si vous désirez avoir l'accès au replay de cette vidéo de 43 minutes dans lequel j'explique étape par étape le plan d'action exact que l'on mettrait en place si on perdait tout et qu'on devait redémarrer sur 30 jours. Bon, on a ici le petit gâteau entrepreneuse.com et entrepreneur.com. C'est surtout ce mastodonte qu'on va pouvoir déguster. Merci Edouard, du coup. Edouard avec Pauline. Du coup, Edouard qui est actuellement sur M6. Faut suivre, c'est quel jour que... C'est mercredi à 9h. Mercredi à 9h, voilà. Donc mercredi à 18h, nouveau vlog. Tous les mercredis à 18h. Et tous les mercredis à 21h, le meilleur pâtissier. T'as gagné ou pas? Je peux pas dire. J'ai cru que cette fois, il me dirait. Bon, en attendant, on va quand même se déguster ce beau petit gâteau. Ça se tient. Les amis, fin de ce vlog, j'imagine plus court que d'habitude. En tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir de quand même pouvoir vous partager tous ces éléments. J'ai hâte de voir également vos commentaires, vos likes, vos partages et aussi, du coup, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce qu'à chaque fois, on constate que plus de 30% des gens qui suivent les vidéos ne sont pas encore abonnés et profitez-en un maximum. Dans tous les cas, dites-moi aussi en commentaire quelles sont vos questions de façon à pouvoir animer davantage les prochains vlogs avec vos questions qui soient utiles et on se retrouve, nous, comme à chaque fois, les mercredis à 18h. Là, il est actuellement 19h23. Je vais continuer à avancer. J'ai vu également entre 2 et 3 réunions et après notre rendez-vous avec Edouard. D'ailleurs, excellent son gâteau, juste magnifique. Une vidéo très intéressante sur le président des États-Unis, Donald Trump, au niveau de son parcours, etc. D'ailleurs, est-ce que vous vous intéressez un petit peu au parcours de certains grands de ce monde, puissants de ce monde, entrepreneurs, politiques, etc. C'est super intéressant, on y apprend plein de choses. Mais je vous donne un petit conseil lorsque vous faites ça, identifiez les sources qui ont produit ces éléments et derrière, est-ce qu'ils ont un avis plutôt impartial, donc neutre, ou plutôt positif ou négatif à l'égard de la personne. Et si tel est le cas, niveau positif par exemple, regardez toujours s'il y a l'opposé en négatif de façon à vous faire un avis
des deux et ensuite derrière pouvoir en tirer parti. Donc très important, petit aparté également, et ça c'est valable dans n'importe quel domaine, en tout cas selon moi. Voilà voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme à chaque fois, eh bien faites le moi savoir avec un pouce bleu et du coup on se retrouve dans une prochaine vidéo. À plus. J'espère que ce nouveau vlog t'a plu. Si tu apprécies ce type de contenu, eh bien fais le moi savoir avec un pouce bleu. Aussi très clairement, fais-le maintenant, clique juste ici pour t'abonner à la chaîne YouTube, ne rater aucun des prochains contenus, clique sur la petite cloche afin d'être notifié. Je te laisse un court instant pour le faire. Et juste là, tu as la possibilité de regarder la précédente vidéo, notamment le précédent vlog. Dans tous les cas, je te donne rendez-vous mercredi prochain. Comme chaque mercredi à 18h, rendez-vous pour une nouvelle vidéo, un nouveau vlog. À très vite.